Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Tirage du vendredi 16 septembre 2022. Alors, 16 septembre, si c'est un 7, le 7. Déjà, parlons un petit peu numérologie. Le 7, c'est la journée des coups de chance, des bonnes nouvelles, des petits cadeaux, des petits gains, des choses qui s'arrangent aussi financièrement, qui peuvent se débloquer. Le 7 nous invite aussi à prendre le temps de la réflexion, à faire confiance à son intuition, à écouter sa petite voix intérieure. En côté professionnel, eh ben, si on veut s'épanouir dans son travail, c'est peut-être le moment de privilégier la voie de la connaissance, c'est-à-dire accepter de redevenir un élève, partir en formation, demander conseil. Voilà, ça permet d'évoluer et de s'épanouir. Dans la sphère sentimentale, on a peut-être du mal à exprimer ses sentiments. Alors que ce soit vous ou votre partenaire, bien entendu. Alors, ça ne veut pas dire que les sentiments ne soient pas forts ni sincères. Ça veut simplement dire que, eh ben, on bloque un petit peu à s'exprimer, à dire les choses. On n'ose pas, tout simplement. Et ça peut arriver. Alors, en 7, le nombre d'expressions a ses côtés positifs, hein, bien entendu. On peut être intelligent, sensible, intuitif. On peut être perfectionniste et avoir le sens du détail. Mais il a ses côtés négatifs aussi. Hein. Alors, on peut être froid. Froid et sarcastique, vous voyez. Dissimuler ses vraies motivations, être très réservé. On peut aussi s'offusquer de choses sans importance, c'est-à-dire prendre la mouche, j'ai envie de dire, tout simplement. Alors, le vendredi associé à Vénus, la beauté, les plaisirs, la féminité, la décoration. On peut avoir envie aussi de changer de décor. La couleur associée à notre vendredi est le rose, le blanc et tout ce qui est les teintes douces. Voilà ce que l'on pouvait dire pour notre vendredi 16 septembre. Alors, on va regarder maintenant avec Monsieur Augure Blanc. Quel conseil, message, mise en garde Monsieur Augure a à nous donner pour notre journée du vendredi 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Alors, hop, et nous avons Tabarin. Tabarin, bouffon, farceur. Pour notre vendredi, ben, c'est simplement bouffon farceur, vous savez, il fut à son autre temps, à cette époque là des cartes augures, nous avions la détente, c'était ça, le bouffon du roi, les farceurs dans la rue, les tambours, les jongleurs. Et bien aujourd'hui, ce que l'on vous dit pour ce vendredi, c'est qu'un spectacle ou un divertissement pourrait être les bienvenus et pourrait vous changer les idées. L'heure est à la détente et au plaisir simple de la vie. Laissez-vous vivre aujourd'hui. N'hésitez pas à faire quelque chose qui vous détend, qui vous voilà, qui vous fasse changer des idées. C'est tout simplement ce que nous dit cette carte pour notre vendredi. Tabarin. Alors, nous allons regarder avec notre jeu de 32. Quelles sont les énergies pour notre journée? Vendredi 16 septembre, veille de week-end. Vendredi 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Et à la coupe, nous avons des nouvelles. Des nouvelles, un face-à-face. Un face-à-face, peut-être une convocation, peut-être un rendez-vous qui était attendu, qui va arriver, puisqu'il va falloir vous déplacer pas très loin de chez vous. Un petit déplacement qui va se faire assez vite, mais qui, a priori, va vous contrarier tout de même. Hein. Voilà, est-ce que parce qu'il a été retardé, et tout simplement. Ce petit rendez-vous, ce face-à-face a été retardé. C'est bien pour démarrer quelque chose, hein. Un nouveau projet. Alors, est-ce qu'il a déjà été retardé et vous allez enfin en prendre connaissance, ça va vous agacer, ou est-ce que vous allez, on va vous donner un rendez-vous, puis arriver là, et ben il va être retardé, ça va vous agacer. Allez, c'est parti pour notre S-carte. Une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, nous avons du bonheur, nous avons des bonnes nouvelles qui arrivent là, par rapport à un changement, par rapport à un voyage, à un grand déplacement. Peut-être envisagez-vous d'aller voir votre maman, en tout cas c'est quelque chose de beau, qui peut être aussi pour une personne âgée, plus âgée que vous, ou bien vous, si vous avez la cinquantaine, veuve, célibataire, divorcée. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous là, pour un changement, un voyage, un déménagement. Ah, ça peut être un grand changement dans le domicile. En tout cas, c'est très positif, c'est très beau. Alors, nous avons, waouh, 10 de cœur. Ah bah alors là, nous avons un gros projet, nous avons l'amour qui est là. Des projets qui sont là, nous avons un entretien, nous avons bien un imprévu qui se présente, un rendez-vous, ça peut être dans le domaine sentimental. Il y a un rendez-vous qui se présente à vous, là les amis, il y a quelque chose de beau, sentimentalement en tout cas, qui vous touche. Attention toutefois, on l'a vu tout à l'heure, ça ressort. Cet entretien, ce rendez-vous peut se retrouver bloqué. Eh bien oui, et voyez pourquoi il est bloqué? Par une dame de carreau. Ah ah. Vous avez une méchante femme autour de vous qui bloque votre démarrage, peut-être un premier rendez-vous, qui peut être bloqué par une ex. Hein. Pourquoi pas, on verra la suite. Mais là, quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose de beau qui se présente à vous dans vos projets. Les projets sont bel et bien là. On voit bien qu'il y a un rendez-vous qui est programmé, qui est là, mais qui se retrouve bloqué par une femme mauvaise, une femme perfide. Eh oui, bingo! On l'aurait presque deviné. Donc, elle est bien autour de votre chérie. Ça peut être donc, comme je le disais, une ex, une belle-mère, une belle-sœur, pourquoi pas. En tout cas, elle est bien là autour de votre homme. Elle peut être, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, elle est autour d'une personne qui vous, pour laquelle vous, vous avez des sentiments. Ça peut être votre fils, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un sur lequel vous tenez. En tout cas, il y a une femme mauvaise, pas bonne, autour de cette personne. Il peut être question aussi d'une jeune fille brune. Voyez comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, il peut être aussi, on voit que par rapport à ces entretiens, ces imprévus, il y a des papiers là. Il y a une histoire de courrier administratif également. Pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Il y a également votre fils, votre meilleur ami ou votre sœur qui est là. Il y a beaucoup de femmes. Hein. Alors, tout de suite, je peux vous le dire, il y a des commérages. Hein. Mais avec la dame de carreau, on n'est pas très étonné. Hein. Alors, il peut être question aussi de papier administratif, vous pouvez en entendre parler, pour votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur. Il peut être question aussi que cette dame pas bonne peut avoir les cheveux clairs. Alors, ça peut représenter cette jeune personne, cet homme-là, votre chéri, s'il est plus jeune de vous que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ça peut être la même personne, hein, que voilà. C'est une personne qui présente bien, hein, qui peut avoir ce petit côté immature aussi, ce petit côté enfantin ou joueur, on va dire. Maintenant, s'il est avec votre fils, votre meilleur ami ou votre sœur, ça peut être son chéri, tout simplement, également. En tout cas, il y a un homme qui est là, un homme jeune, qui présente bien, dont vous risquez d'avoir des nouvelles. Vous allez peut-être devoir vous déplacer, il y a un face-à-face. Pour une signature. On s'en doutait un peu, il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a bien une signature qui se présente à vous et c'est dans le domaine professionnel. Alors, ça peut être un responsable, ça peut être un chef de service. Ça peut être aussi, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est dans vos activités, hobbies, dans vos projets. Puisqu'on a vu qu'ils étaient là, finalement, vous finirez par avoir un face-à-face avec cet homme pour vos projets. Alors, comme je le disais, nous avons trois dames, commérages. Attention, voilà, trois dames, c'est jamais bon. Hein. C'est les rivalités, c'est les commérages, c'est la méchanceté. Nous avons deux valets, les 9, 1, 2, il y en a deux. Les 8, 2. Et bien, c'est tout, les as, il n'y en a que deux.
Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Alors, nous retrouvons bien dans votre domaine projet sentimental ou même amour, la dame de carreau, hein. Cette femme pas bonne, perfide, il y a autour de vous une femme mauvaise. Vous, ma consultante, ou une femme proche de vous, allez devoir avoir un face-à-face. Alors faites attention que ce face-à-face, il ne soit pas avec une femme pas bonne. Justement, vous allez peut-être devoir la rencontrer. Pour votre soeur, votre meilleure amie ou votre fille, il y a des nouvelles ou vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, il est également question d'avoir des nouvelles concernant votre chéri. Est-ce qu'il a, il va avoir, c'est votre chéri qui va avoir des nouvelles dans le domaine professionnel ou dans son activité également. Activité, hobby, voyez comment ça vous parle, hein. Il peut y avoir concernant un imprévu, un rendez-vous, si c'est lui que vous deviez rencontrer, voire un blocage. Il y a un certain blocage qui peut avoir lieu aussi concernant une signature et des papiers administratifs qui vont se faire, parce que blocage ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, qui vont se faire avec un homme. Alors, ça peut être un notaire, tout à l'heure on a vu un chef de service, un responsable, vous voyez comment ça vous parle, c'est quelqu'un qui présente bien en tout cas, qui s'habille bien. On voit très bien papier administratif, signature avec cette personne. Certes, peut-être un petit peu bloqué. Voilà ce que l'on pouvait voir déjà avec le jeu de 32. Beaucoup d'infos. Allez, l'oracle des miroirs pour notre journée du vendredi. Vendredi 16 septembre, que je ne dise pas de bêtises. Vendredi 16 septembre 2022. Vendredi 16 2022. Vendredi 16 septembre 2022. À la coupe, nous avons. Vous allez devoir prendre la parole, les amis, sur quelque chose qui vous a mis instable ou qui vous rend instable, quelque chose qui vous perturbe. Vous vous projetez, hein, sur une belle solution. Les solutions sont là, elles arrivent. Ça vous fait peut-être un petit peu peur d'ailleurs. Vous allez devoir en prendre la parole. Alors, c'est bien le travail pour certaines personnes, on l'a vu tout à l'heure, ou activité hobby, ou vous faites un gros travail sur vous-même pour prendre la parole vis-à-vis de la famille ou des enfants. Allez, voyons voir un petit peu pour nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Au dos, nous avons, oh, regardez, je ne vais pas plus loin, miroir magique. Très belle protection, les amis. Très jolie protection. C'est très beau. Alors, nous avons le foyer, la maison en dominant. Avec un changement qui se profile à la raison. À la raison. Qui se profile concernant la maison, le foyer. Et c'est que du bonheur. C'est pas joli, ça? Si c'est dans le domaine sentimental. Avec ce miroir magique, ce changement maison-foyer, là, c'est très beau, hein, c'est magnifique. Ensuite, il y a du bonheur dans un premier temps, je vous dirais, au niveau famille, au niveau hérédité, ça peut être avec les enfants. Ah, ben non, pas tant que ça, puisque visiblement, il y a de la jalousie. Est-ce que ce changement de vie, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ne passe pas auprès de vos enfants? Est-ce que ce changement, puisqu'on a vu de toute façon que ce serait un changement, une belle évolution, que ça peut être dans le foyer, hein, vous changez de maison tout simplement, ne passe pas au niveau des enfants? En tout cas, quoi qu'il en soit, au niveau famille, il y a de la jalousie. Je crois que je l'ai sorti toute la semaine, ces énergies de jalousie familiale. C'est pesant, hein. Alors, oui, ça vous mine, bah forcément, ça vous contrarie. Là, on a un 8 de pique, hein. Vous faites un gros travail sur vous-même. Est-ce qu'il est question aussi de changement professionnel, de changement travail, activité, hobby? Vous voyez comment ça vous parle. Mais j'ai plutôt l'impression que vous essayez de faire un gros travail sur vous-même, là. Et regardez. C'est perçu comme un coup de chance. Si c'est un changement concernant le domaine professionnel, c'est perçu comme un coup de chance. Bien entendu, on va vous jalouser, c'est normal. Hein, ça ne fait jamais plaisir, c'est marrant, hein, l'évolution des gens. Ben, voilà. Si c'est un changement, un déménagement, un voyage, on est plutôt dans le changement foyer, là. C'est un gros coup de chance. Il y a un gros coup de chance également concernant la famille. La famille est là, hein.
Alors, la famille est là. Nous retrouvons les amis. Ils ont été présents cette semaine aussi, hein. Alors, peut-être aussi que ce coup de chance va faire que vous pouvez enfin fonder votre propre famille, hein. Visiblement, vous avez le soutien des amis avec la signature. Et je crois qu'on a déjà sorti ça cette semaine, autour d'une signature, quelque chose qui est acté. Certains, j'avais dit, vont être accompagnés des amis. Nous le retrouvons là, hein, nous le ressortons, hein. Vous allez devoir prendre la parole, parce qu'on vous montre du doigt. Il y a quand même quelqu'un qui vous montre du doigt. Alors, pour certains, est-ce qu'au final, c'est pas les amis? Je dirais non. On est quand même obligé de l'aborder parce qu'on voit très bien que les amis sont là par rapport à une signature et vous allez devoir prendre la parole parce qu'on vous montre du doigt. Est-ce que c'est eux qui vous montrent du doigt? Pas sûr. Mais bon, voyez voir si ça vous parle quand même. Vous allez en tout cas créer votre propre famille, mais quelque part, ça va coincer avec les enfants. J'ai enfermement et culpabilité que je vais recouvrir, bien que ce ne soit pas bien méchant. On voit un beau changement familial, hein. Il est là, ce changement familial, et il vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Bon, on voit qu'avec les enfants, ça coince un peu, il y a de la jalousie. Ça vous mine, bien entendu, ça vous travaille. Vous faites un gros travail sur vous-même. Ça peut maintenant être un changement de travail. Également, pour certains, voyez comment ça vous parle. Ou d'activité, de hobby, enfin voilà, peut-être un projet aussi qui est là. En tout cas, c'est un gros coup de chance. La famille est là. Alors, est-ce que la famille vous montre du doigt? Pour l'instant, dans un premier temps, je dirais que vous allez enfin, avec ce coup de chance, créer votre propre famille. Les amis, ils sont là, les amis. Vous allez signer quelque chose. Alors, vous signez quelque chose en rapport avec les amis. Vous allez devoir prendre la parole parce qu'on vous montre du doigt. Est-ce qu'il y a de la... On essaie de vous culpabiliser. Est-ce que c'est les amis? Vous voyez comment ça vous parle? Je vais en mettre une sur enfermement, culpabilité. Et je vais en mettre une sur amis. Alors, enfermement. Ben, s'il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, évidemment, ça peut faire peur, hein. Je veux dire, enfermement, c'est un peu ce bide de pique. Ça peut faire peur. Hein. Des fois, les changements, effectivement, ça fait peur. Hein. Alors, c'est sur du retard hein, qu'on va vous rendre responsable. On va essayer de vous culpabiliser. Hein. Bon, bonsoir. Hein. Les amis, j'ai l'impression que vous allez devoir discuter. Bon, il y a une réunion, quelque chose de prévu avec les amis. Voilà, les amis, oui, c'est le cas de dire. Écoutez, tirage pas négatif, parce qu'il y a du changement. C'est beau, il y a beaucoup de chance. Il y a quelque chose de beau qui se présente à vous. Vous allez pouvoir enfin créer votre famille, quelque chose de beau, votre propre maison, votre propre foyer. Oui, après la jalousie, hein, je veux dire, bon, il y en a toujours. On peut malheureusement pas faire grand-chose. On va regarder avec Monsieur Béline. Ce que Monsieur Béline nous annonce, il va nous dire pour ce vendredi, vendredi 16 septembre 2022, vendredi 16 septembre 2022, Monsieur Béline. Alors nous avons, on vous surveille les amis, c'est peut-être vous qui allez découvrir des choses. Oh regardez, la grâce. Eh, c'est pas beau ça. Vous avez une super protection, vous avez la grâce. Vous découvrez peut-être que les choses vont avancer. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Eh, c'est très très joli. Très beau. Alors, sur quelque chose qui ne bougeait pas. En tout cas, qui était coincé, doublement coincé, qui n'avançait pas vite en tout cas. Il y a des cadeaux. Les choses vont avancer. C'était peut-être bloqué, hein, peut-être depuis un certain temps. Les changements n'avançaient pas. Oh, regardez, la grâce retombe. Sur quelque chose qui n'avançait pas, vous avez la grâce. Ah ah, quelque chose qui avance tout doucement, c'est d'avoir peut-être fait votre propre famille. Et on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, ça n'avançait pas. On n'arrivait à rien pour l'instant. Vous avez la grâce. Super protection. Ça avançait tout doucement. Ça y est. La famille est là. On va pouvoir créer sa famille. On l'a vu tout à l'heure. Fonder sa famille qui est perçue comme un cadeau avec les présents. Très jolie finalité, les amis. Nous allons terminer avec la petite boîte pour apprendre à lâcher prise pour notre vendredi 16 septembre 2022.
Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Souvent, ne plus emprunter le mauvais chemin équivaut à prendre le bon. Contentons-nous de refuser les choix que nous dictent nos émotions négatives. De plus justes opportunités se présenteront d'elles-mêmes. Eh oui, je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Très beau message, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. N'hésitez pas à me le faire savoir. Merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour les guidances du week-end, guidance générale et guidance sentimentale. Passez une excellente journée. À bientôt.